La condition sine qua non de cette éducation authentique, elle est dans le fait qu'on doit être très clair avec soi-même et qu'on ne peut pas se planquer derrière la relation d'éducateur, éduqué, je sais, je domine, et ainsi de suite, qui est en fait confortable. Il n'existe pas de relation éducative s'il n'y a pas un éducateur et un éduqué. Quand je dis éducation, ça veut dire que je suis du point de vue de l'éducateur et pas de l'éduqué. Et dans cette relation, donc entre deux personnes, il y en a un qui est teur et il y en a un qui est. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une différence entre les deux. L'éducateur et l'éduqué, c'est administrateur-administré, colonisateur-colonisé, dompteur-dompté. Ça veut dire quand même qu'il y a un certain type de relation qui existe entre un éducateur et un éduqué, qui est une relation de dominance, tout simplement. Enfin, c'est la même que le dominant-dominé. J'aurais pu mettre dominateur-dominé ici. On est dans la même situation. La formule qui le résume le mieux de mon point de vue, c'est pour ton bien. C'est-à-dire que tout ce que va faire l'éducateur, le parent, le formateur, etc., c'est bien évidemment pour le bien de l'autre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et dans son esprit, il n'y a pas de doute là-dessus aussi. Alors, maintenant, la question qui se pose, d'où vient cette idée? Que j'ai trouvé moi aussi en naissant, qu'il y a besoin d'un éducateur pour éduquer quelqu'un, si je veux bien voir et accepter et comprendre qu'apprendre est quelque chose de naturel, et la meilleure des preuves que c'est quelque chose de naturel, c'est que l'enfant va apprendre cette relation si je la lui propose. C'était Frank Smith qui disait que. La bombe à retardement, c'est que les élèves apprennent ce qu'on leur enseigne, quoi.